Olivier Bancoult, mais si au final arrêtant le micro, Olivier Bancoult, au fin côtoie Sandy Roud pour la plaidoirie, puis c'était un moment fort de ça, la lutte des Chagossiens, que Sandy Roud a tenir à ce que Maurice regagne la souveraineté sur l'archipel, mais nous rappelle lui, la dernière fois qu'il porte ce touche, c'était pour la plaidoirie et pour la cause chagossienne. Oui, je suis capable de dire qu'ils ont dit que Maurice est une perdienne grande du monde. Et bon, tout ce qu'il fait, mais principalement pour la cause chagossienne, surtout avec l'affaire, car nous calculons qu'on va dire en face de nous, on a des grandes puissances, le gouvernement britannique, avec complicité, le gouvernement américain. Ça n'est route pas qu'il est. Okay. Il n'y a pas de quillet pour défier les Anglais et les Américains. Malgré tout le non-respect, le malhonnête que le gouvernement anglais fait envers le peuple chagossien, il a toujours mis de l'avant. Quand il approche moi en 2015, il y a moi qui nous allons ensemble. C'est une décision qui nous prend ensemble dans le comité et qui nous fait aujourd'hui. Et quand nous allons dans les Nations Unies, nous fait ce plaidoirie. Bon, on fait ce statement pour dire que sa gauche bizarre retourne pour Maurice. En même temps, ben, sa gauche bizarre retourne aux autres la terre. Et ça finit de continuer avec ben vote. Là, moi, en présence des gens qui accompagnent moi dans la délégation dans les Nations Unies. Et en plus de ça, nous avons Mme Élisée qui est là, qui nous fait un témoignage vraiment très fort. Témoignage, c'est pour montrer l'irresponsabilité du gouvernement britannique vis-à-vis de ben sa gauche. Mais aujourd'hui, bon, nous sentons vraiment attristés parce qu'ils tiennent du monde, comment dire, qui tiennent à cœur. Ils ont envie, comment dire, d'aller de l'avant parce qu'ils me rappellent un certain moment, les premiers ministres, ils même dire, c'est bizarre pour un bateau pour l'eau, ça gosse. Mais malheureusement, ça n'aurait pas pu réaliser. Mais nous sommes contents, comment dire, l'eau, ça gosse ensemble. Bon. Mais quand même, nous gardons un très bon souvenir. C'est un du monde, comment dire, qui est vraiment déterminé dans ce qu'il dit et ce qu'il peut faire. L'important avec nous, c'est la discussion qui tient à l'eau, Lancaster. C'est qui toujours, qu'on dit, reste toujours, qu'on dit, une affaire qui est vraiment très blessante, parce que c'est une décision qui ne prend le latin d'un peuple sans même consulter. Ok? Mais l'Indien, nous, qui ben, une décision qui s'y prend, qu'on dit, qui, malgré, avec toute bonne assistance des bandes dirigeants mauriciens, mais anglais nous continue, nous connaissons anglais, c'est une manière de faire, finir insister, qu'on dit, qui s'agosse, reste chose, et en même temps, le type baptise lui-même comme British Indian Ocean Territory qui part in a reconnaissance. Mais quand même, moi, capable de dire, moi, un très bon souvenir, pareil, quoi, nous, toujours, nous, pendant l'heure, nous combattons, nous pouvons continuer de l'avant, nous pensons qu'il, travaille là, nous allons continuer, nous travaillons bien, continuer avec ce qui nous gagne des côtés de la pointe internationale.